Milesker Denery, vous avez entendu cette belle chanson. Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est Info Garassi. On est ici avec Michel Echeverry, le grand chanteur qu'on connaît ici, qu'on ne présente pas. Egunon. Egunon, bienvenue à vous. Merci d'être présent. Vous êtes fidèle. Et juste une question, est-ce que vous avez un favori sur ce 4? Ben écoutez, j'aimerais que tout le monde gagne, mais ce n'est pas possible. Pour moi, sans... À mon avis, à mon humble avis, son favori, les rouges. Légèrement favori, d'après la bourse là-haut aussi, il faut y en tenir compte. Parlez un peu, parce que vous qui avez joué à la pelote, vous aimez la pelote. Est-ce que vous avez un pilotari préféré? Ah, sujet très délicat. J'aime tout le monde, mais c'est de l'autorité publique que j'aime beaucoup, entre autres, Peyo Larralde. Mais il n'y a pas que moi. Après, quand je vois Baptiste Ducassou, il y a un niveau extraordinaire, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux, voilà. C'est que aussi, vous qui connaissez un peu la pelote, vous êtes allé au Mexique, vous êtes allé partout. Et cette année, la Coupe du Monde, c'est ici, en France.
Oui, et j'ai l'insigne honneur d'avoir fait un CD complet à la gloire de la pelote, demandé par Lilou Echeverri, à notre président, avec notamment l'hymne de la pelote, Chapelle d'honneur, et qui vous aurez très très bientôt. Je vous en remercie vivement. Voilà, tout à la gloire de la pelote intégralement. Quel parti vous a marqué de tous les partis que vous avez vus depuis au début? Ma toute première partie, j'avais 12 ans, c'est-à-dire, ça remonte à quelques semaines, c'était au Trinquet Berria, qui n'est pas le Berria actuel, l'ancien Berria. Je devais avoir 12-13 ans, et d'ailleurs, Pampi et Chegouin doivent se souvenir aussi, c'était Sougasti Haran, Behangaraï et Tchach. C'était une autre époque, bien entendu, mais c'était phénoménal, 50-48 à l'époque. À l'époque, on jouait en 50, voilà. On est ici à Arkang, il y a un grand pilotari qui nous avait quitté. Pampi Ladis, vous l'avez connu, parlez-nous de Pampi Ladis. Ben, je jouais beaucoup avec lui, avec Pampi et contre lui, et nous avons fait une tournée mémorable en Californie. Pampi, c'était la joie de vivre, et ben voilà, il a marqué son époque, un très grand joueur, tellement doué qu'il avait quitté les Trinquets ici pour aller faire une carrière en Espagne, et quelle carrière. Merci beaucoup, mille esquer. Merci à vous, et bonne continuation.